Dadju, de son nom complet Dadju Djuna Nsungula, né le 2 mai 1991 à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, est un auteur-compositeur-interprète français. Il est issu d'une famille de musiciens, son père Djuna Djanana était un chanteur du groupe Viva la Musica de Papa Wemba, le chanteur et rappeur Gims et son frère Dadju né le 2 mai 1991 à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, issu de parents d'origine kino-congolaise. Il grandit à Romainville. Il fait partie d'une fratrie de 14 enfants, dont certains sont également chanteurs. Dadju baigne dans la musique dès son plus jeune âge avec un grand-père musicien, un père chanteur dans la troupe Viva la Musica de Papa Wemba et une mère qui lui fera découvrir les chants traditionnels subsahariens et religieux. Suivant les pas de son grand frère, il décide lui aussi de se lancer dans la musique. Dadju commence la musique par accident, en accompagnant régulièrement son frère Gims, alors connu sous le nom de Maître Gims, en studio. Ce dernier décide d'enregistrer une chanson avec lui, qui plaît à son entourage et l'encourage à se lancer professionnellement dans la musique. Il commence sa carrière en 2012 au sein du duo The Shinsekai aux côtés d'Abou Tal, avec qui il sortira deux mixtapes et un album, Indéfini, dont une chanson sera certifiée single d'or, Aime-moi demain. En 2017, il décide de se lancer en solo avec son premier single nommé Reine, certifié single de diamant, et sort son premier album, Gentleman 2.0, le 24 novembre 2017. En 2018, il est élu « Révélation française de l'année » aux Energy Music Awards 2018. En 2012, Dadju signe chez Watibé, le même label que son frère Gims dont la carrière, à cette époque, est à son apogée avec le groupe Section d'Assaut. Au sein du label, il rencontre Abou Tal avec qui il décidera de faire un groupe, car son timbre vocal s'accorde très bien avec le rap de Tal. Dadju et Abou Tal commencent à travailler ensemble en 2012, en postant une vidéo freestyle sur Internet intitulée « Le Nouveau Monde ». Le nom du groupe fait référence au nouveau monde issu de One Piece, les deux rappeurs étant fans de Manga 5. En dehors de cela, Dadju participe à un featuring avec Big Ali et d'autres membres du Watibé sur le titre Watibig Ali qui révélera Dadju au grand public. The Shinsekai sort un premier titre, Moi d'abord, en 2012 sur Internet. Ils sont révélés au grand public avec Je reviendrai, issu de leur mixtape The Shinsekai Volume I. Cependant leur succès n'éclate qu'en 2013 grâce au titre Rêvé, issu de leur album The Shinsekai Volume 2. Leur titre du berceau au linceul, extrait du même album, entre dans le top 10 des charts en France. Pour continuer l'ascension du groupe, The Shinsekai décide de publier, le 27 juin 2014, leur clip du morceau Mentor extrait de The Shinsekai Volume 2. Le 22 octobre 2014, le groupe remporte le titre de « Meilleur groupe de l'année 2014 » aux Trace Awards. Le 25 mars 2016, The Shinsekai sort l'album Indéfini, avec des tubes comme Ma Jolie, Alter Ego et Aime-moi demain avec la participation de Gradure. En 2016, Dadju et Abou Tal annoncent sur les réseaux sociaux faire une pause dans leur carrière de groupe, et se lancent chacun dans un projet solo. De son côté, dès la fin de l'année, Dadju sort quelques morceaux gratuitement, comme Kitoko et Bonne, sur son profil Facebook. En 2017, Dadju sort, sur Instagram puis sur YouTube, une série de clips vidéo s'intitulant G2.0 Live, des morceaux pour faire la promotion de son futur album, Gentleman 2.0. Le premier titre du nom, intitulé Reine, est celui qui plaît le plus aux fans. Ces derniers réclament alors une version complète sortie en avril 2017. Détrônant les hits du moment, Reine se hisse à la première place du top iTunes, jusqu'à obtenir un single de diamant ainsi que plus de 100 millions de vues sur YouTube en février 2018. Le 22 octobre, Dadju sort le dernier G2.0 Live, et annonce la sortie de son album le 24 novembre. Le 27 octobre, il sort le single Ma Fierté avec la participation de Maître Gims et d'Alonzo. À partir du 10 novembre, il sort une série de clips vidéo en plusieurs parties avec un scénario, Intuition le 10 novembre, Comme si de rien n'était le 17 novembre et Seconde Chance le 24 novembre. Après le succès de son premier album, Gentleman 2.0,
Dadju est de retour. L'artiste dévoile son single Compliqué, le premier extrait de son second album, composé par MKL. En octobre, Dadju annonce la sortie de son deuxième album solo, Poison, pour le 15 novembre 2019. Deux jours après, le 18 novembre 2019, Dadju sort la deuxième partie de son album Antidote. Moins de deux semaines après la mise en vente de cette deuxième partie, l'album original est certifié disque d'or avec plus de 50 000 exemplaires vendus, puis disque de platine fin décembre 2019. Il devient double disque de platine en juillet 2020. En octobre 2020, Dadju dévoile la réédition de son album Poison ou Antidote. Cette dernière s'intitule Edition Miel Book et est composée de 14 titres décrivant 14 histoires différentes. L'album devient triple disque de platine en décembre 2020. Dadju annonce via YouTube, le 22 novembre 2017, dans la vidéo d'introduction de son album Gentleman 2.0, qu'il s'est marié le 8 janvier 2017. Il annonce sur le réseau social Instagram qu'il est devenu père d'une petite fille le 19 octobre 2017. Dans son dernier album, il dédie une chanson à sa fille. Il a aussi annoncé dans l'album Antidote qu'il allait devenir papa pour une seconde fois, Mahamou, album avec The Shinsekai, 2013, The Shinsekai, volume 1, 2014, The Shinsekai, volume 2, 2016, indéfini album avec Watibe, 2013, Les Chroniques du Watibos, volume 1, 2014, Les Chroniques du Watibos, volume 2, apparition, 2012, Big Alifit. Watibe, Dadju, Black M et Dry Watibigali, 2013, Maître Gims Feat. Dadju, Bejik, X-Gang, Outsider, sur l'album Subliminal, 2014, Mascafit. Dadju, J'implose, sur l'album Espace-Temps, 2014, Mascafit. Dadju, Qui les a blessés? Sur l'album Espace-Temps, 2015, Abou de Bangfit. S. P.R.I. Noir et Dadju, Bye Bye, 2015, SPRI Noir Fit. Dadju et Neige, Le Monde ne suffit pas, sur l'EP Le Monde ne suffit pas, 2015, Maître Gims Fit. Dadju, Sans Rétro, sur l'album Mon Cœur avait raison, 2015, Maître Gims Fit. Jelas, X-Gang, Bejik, Dadju, Mayweather, sur l'album Mon Cœur avait raison, 2016, Le Fa Fit. Dadju et Abou de Bang, Dernier Arrêt, sur l'album Monsieur Fall, 2016, Gims Feat. Juna Family, Dadju, Bejik, X-Gang, Jelas, Zoom Zoom, 2016, Franglish Feat. Dadju et VJ Dream, C'est plus l'heure, sur la mixtape Signature, 2017, que Black Feat. Dadju, Enfant d'Afrique, sur l'album Premier Étage, 2017, Abou de Bang Feat. Dadju, Tombé sur elle, sur la mixtape de Bingri, 2017, Kiff No Beat Feat. Dadju, Pose, 2017, Barak Adama Feat. Dadju, Foutaise, sur la mixtape La Propagande, saison 2. 2017, Aya Nakamura Feat. Dadju, Fuego, sur l'album Journal Intime, 2017, Alonzo Feat. Dadju, La paix n'a pas de prix, sur l'album 100%, 2017, Abou de Bang Feat. Dadju, C'est pas bon, 2017, Nasa Feat. Dadju et Aya Nakamura, Moi je vérifie, sur l'album Incroyable, 2017, Black M Feat. Dadju, Tout se passe après minuit, sur la réédition de l'album Éternel Insatisfait, 2018, Dry Feat. Dadju, Tant pis, 2018, Maître Gims Feat. Dadju, Tu ne le vois pas, sur l'album Ceinture Noire, 2018, Le Fa Feat. Dadju et SPRI Noir, Je me téléporte, sur l'album 3 du Mat, 2018, Naestro Feat. Maître Gims, Vita, Dadju et Slimane, Bella Ciao, 2018, MHD Feat. Dadju, Bébé, sur l'album 19, 2018, Vita Feat. Dadju, Désaccord, sur l'album Just Me, Myself et Moi-même, 2018, DJ Arafat Feat. Dadju, C'est pas volé, sur l'album Renaissance, 2018, Sofiane et Dadju, Apollonia, sur la compilation 93 Empire, 2019, Dadju Feat.
DJ Arafat, c'est pas volé, 2019, Landifit. Dadju, Muerte, sur l'album Asabin, 2019, Linda Fit. Dadju, Adieu, sur l'album Papillon, 2019, Nino Fit. Dadju, Jamais, sur l'album Destin, 2019, Franglish Fit. Dadju, Comme ça, sur l'album Monsieur, 2019, Alonzo Fit. Dadju, MDV, sur l'album Stone, 2019, Maître Gims Fit. Alonzo et Dadju 10e, sur la réédition de l'album Ceinture Noire, 2019, Abou de Bang Fit. Dadju Égoïste, sur l'album Street Love, 2019, Abou de Bang Fit. Dadju, Franglish, SPRI Noir, Calme, sur l'album Street Love, 2019, Barak Adama et Dadju, Ingrate, sur la compilation Game Over Vol. 2, 2019, VG Dream Fit. Dadju, Calimero, sur l'album Ategban, 2019, Kalash Fit. MS Banks et Dadju, Nossa, sur l'album Diamond Rock, 2019, Gradure Fit. Dadju Premier Contact, sur l'album Zone 59, 2019, Taïk Fit. Dadju, OK, sur l'album Nixia Tom 3, 2020, Imen et Fit. Dadju, Chelou, sur l'album Novi, 2020, Soul King Fit. Dadju, Melejim, sur l'album Vintage, 2020, SPRI Noir Fit. Dadju 911, sur l'album État d'Esprit, 2020, Rimka Fit. Dadju, Rose Rouge, sur l'EP Midnight, 2020, Abou de Bang Fit. Dadju, Attitude, sur l'EP Mon Histoire, par 1, 2020, Kaaris Fit. Dadju, Piqué, sur l'album 2.7.0, 2020, sur 4 Kus Fit. Dadju, Tout Terrain, sur la réédition de l'album Vie d'Artiste, 2020, Kenji Girac Fit. Dadju, Dans mes bras, sur l'album Mi Vida, 2020, Soul King, Dadju, Imen et Fatik, Unité, 2020, Fali Poupa Fit. Dadju, Un coup, sur l'album Tokoos 2, 2021, Camélia Jordana Fit. Dadju, Loco, sur l'album Facile Fragile, 2021, M. Pokora Fit. Dadju, Si on disait, 2021, Gims Fit. Dadju et Slimane, Belle, sur la réédition de l'album Le Fléau Clip Vidéo, 5 mai 2017, Rennes, 27 octobre 2017, Ma Fierté, Fit. Maître Gims et Alonzo, 10 novembre 2017, Intuition, 17 novembre 2017, Comme si de rien n'était, 24 novembre 2017, Seconde Chance, 21 janvier 2018, Sous Contrôle, Fit. Niska, 11 février 2018, Mafouzi Style. 7 mars 2018, Bob Marley, 11 mai 2018, Django, Fit. Franglish, 29 août 2018, Lyon, 5 octobre 2018, Santem Remix, Fit. Alonzo, NASA, MHD et VG Dream, 5 octobre 2018, Jaloux, 7 août 2019, Compliqué, 11 octobre 2019, Ma vie, 1er novembre 2019, Confession, 11 décembre 2019, TPB, Fit. Cobalade, 20 décembre 2019, M.Wassi Ya Congo, Fit. Gaz Mawete, 23 février 2020, Donne-moi l'accord, Fit. Burna Boy, 20 mars 2020, Bobo au cœur, 30 juillet 2020, Grand Bain, Fit. Nino, 9 octobre 2020, Dieu merci, Fit. Tiakola, 30 octobre 2020, Amour toxique, 8 novembre 2020, Up and Down, Fit. Jackers, 14 février 2021, Va dire à ton ex, 26 mars 2021, Tout ou rien du tout, Fit. Osevne, 8 avril 2021, Le DUA.